Tu joues des jeux. Tu fais des circonvolutions. Tu arrondis les angles. Et voilà ce qui est dysfonctionnel. Tu es à l'extrême là-dedans. Derrière cette tâche, beaucoup plus en profondeur, c'est une énergie réellement alignée sur, enfin, en lien avec le féminin. C'est une énergie en lien avec te vivre toi. Vivre pleinement le féminin, pas tel que tu le conçois et tel que tu le fantasmes, mais tel que tu le vis réellement. Voilà ce que ta structure me raconte et voilà le pourquoi à cette tâche. Dans une sorte de repli à l'intérieur et tu refuses d'aller à l'extérieur pour éviter de te confronter à ce que tu es réellement et comment tu es réellement au niveau humain. Tu te restreins toi-même. Et quelque part, tu ne vois pas réellement les autres. Il y a quelque chose qui me dit que. Ouais, ça me dit vraiment que tu refuses d'être en contact réellement avec les autres parce que ça viendrait briser tes illusions. Ça viendrait briser le scénario, le film que tu t'es construit pas à pas. Et sous ces illusions, il y a ce pouvoir absolu. Qui est là et qui t'attend dans le sens qui attend que tu ailles le rencontrer concrètement, à travers les gens que tu rencontres, à travers les interactions sociales, peu importe, que ce soit sur Internet ou, mais va à la rencontre de toi-même, concrètement, et pas dans tes fantasmes. Voilà ce que ça me raconte.